Je suis pédiatre et fan de littérature jeunesse. Émilie Wagner travaille à l'hôpital à Bordeaux. Pendant le confinement, elle a créé Doc Lily sur YouTube. La petite taupe à qui on avait fait caca sur la tête. Un personnage pétillant, inspiré de son expérience au théâtre et motivé par l'envie de présenter des livres pour aborder les grandes thématiques de l'enfance. Tous les 15 jours, elle présente une sélection de 3 albums dans des petites vidéos enregistrées chez elle. Des thématiques qui sont souvent abordées, que ce soit les difficultés du coucher, l'alimentation, l'acquisition de la propreté, comment les amener vers le langage, les bruits, les couleurs, leur apprendre un petit peu tout ça, mais aussi parler et aborder des questions plus difficiles, comme aborder la mort, le handicap. Sa vidéo sur le thème de la guerre, diffusée début mars, a été très partagée sur les réseaux sociaux. Le GI américain, on en entend parler partout. Une guerre a éclaté en Ukraine et nous ébranle tous. Ça permet aux parents d'avoir un outil qui va les aider à en discuter avec leurs enfants. Effectivement, il y a des sujets quand même qui sont compliqués, les parents n'ont souvent pas trop les mots. Le livre, un outil précieux de culture, de langage et de compréhension. Doc Lily aimerait le remettre au cœur des échanges entre parents et enfants. Il perd un peu de sa valeur, malheureusement. Avec tous les écrans, on a aussi des problématiques en pédiatrie de consommation des écrans par les enfants. Donc il y avait aussi cette volonté d'essayer d'amener les enfants à revenir vers le livre. Avec un prochaine thématique, les moqueries à l'école et les abécédaires pour les plus petits. Doc Lily, c'est sur YouTube et sur Instagram.